Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, parce qu'on va parler d'un sauvetage qui a lieu donc hier soir, hein, donc qui s'est prévu hier soir, de trois petites Moremus sinensis, donc deux petits bébés de 3 cm. Donc celle qui est en train de dormir sur la plage, donc juste ici, fait 9 grammes. Celle-là en fait 7. Et celle au fond qu'on voit pas, qui est cachée, elle fait 7 cm, enfin, ça fait 7 grammes aussi. Donc celle-là, c'est la plus carencée des trois. Donc celle avec laquelle j'avais le plus de doutes en les récupérant. Parce que sa carapace et son plastron sont mous, en fait, tout simplement. Donc là, je vois qu'elle est quand même vive. Elle s'est nourrie un petit peu en granulé, donc dès qu'elle est rentrée dans ce bassin-là en arrivant. Donc c'est déjà encourageant pour la suite. Donc après, il faut juste que ça évolue dans le bon sens. Donc c'est une espèce, donc Moremus sinensis, c'est une espèce qui vient donc d'Asie, principalement de Chine, et donc très très bonne nageuse. Adulte, ça fera environ 25 cm, donc prévoir un bassin de 150 par 50 par 60. C'est une espèce donc protégée, hein, donc en annexe 3 de la CITES et en annexe C du règlement CE 338/97. Et au niveau du règlement français, cette espèce, en fait, n'est pas soumise à l'AEA ou au certificat de capacité, sauf si on passe le quota donc de 25 spécimens donc de cette espèce. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite histoire sur l'espèce. Après, au niveau de leur histoire à elles, elles ont été achetées donc à l'été 2015 au Portugal par leur ancienne propriétaire, qui donc voulait faire plaisir à ses enfants, et donc a acheté ces trois petites tortues, et sur donc conseil du vendeur en animalerie bien sûr. Et donc elle leur a donné à manger des crevettes séchées, pas de lampe UV, et notre fameux et bien sûr star du jour, le bac haricot qu'on voit juste ici. Donc bien sûr le palmier est parti, ça enlève tout le charme de la déco, mais autant dire que c'est pas adapté pour la place d'un thermoplongeur ou le niveau de la hauteur d'eau possible pour trois petits bébés comme ça, voire même trois un petit peu plus grandes. Parce qu'on leur a dit quand même que ça vivait là-dedans à vie. Donc, j'ai décidé de les récupérer, donc c'était pas vraiment prévu. Mais vu l'état critique qu'on avait parlé, j'ai décidé quand même de faire un petit geste de ce côté-là. Donc j'ai préparé un bassin un peu en urgence, on va dire ça comme ça. Parce que je l'ai préparé donc lundi matin en rentrant du travail. Donc avec un petit peu de déco, pas mal de points d'appui, donc la hauteur d'eau ne gêne rien puisque c'est une espèce qui est très très bonne nageuse. Et en même temps, avec pas mal de points d'appui, elles peuvent facilement respirer en se tenant sur les pattes arrière. Donc il n'y a pas de souci, les plages sont facilement accessibles pour elles également. Donc là on voit aussi une petite bordure qui a été créée. Alors c'est une plage un peu de fortune parce que ma grosse plage coule un petit peu. Donc j'ai mis un pot de fleurs en dessous, une gamelle Exotera grande taille retournée et ma plage par-dessus. Bon, c'est pas pratique, mais au moins ça fait l'affaire. Au niveau UV, je leur ai mis une Solaraptor. Alors, je leur ai mis 100 watts. Parce que j'en avais une sous la main qui était, on va dire, en quelque sorte en fin de vie à quelques mois près. Donc, autant s'en servir pour la finir. Puis, ce sera pas mal pour elle. On a les bonnes températures. On voit mon capteur qui est juste là. J'atteins actuellement température de 35,1. Donc, c'est vraiment pas mal pour elle. L'eau est chauffée à environ 26 degrés. Donc c'est aussi une bonne température pour elles. Donc bon, après elles ont les bonnes conditions qui leur manquaient pour bien se développer. Donc espérons que avec le temps ça puisse revenir. Donc alors pour revenir un peu sur ce sauvetage, moi je jette pas forcément la pierre aux personnes qui font des achats en animalerie comme ça, parce que la personne que j'ai eue en face de moi a demandé des renseignements. Aux vendeurs. Bien sûr, on sait, nous, en tant que passionnés, que les vendeurs ne donnent pas forcément de très très bons conseils. Mais quand on débute, on se fie à un professionnel qu'on a en face de nous et pas un amateur. Et c'est ce qui s'est passé actuellement, c'est que le professionnel a totalement merdé parce que les crevettes séchées, on sait ça donne rien à manger, il n'y a rien dedans. Et une tortue, il faut quand même une bonne installation, des UV. Après, même si c'est des bébés ou que ce soit des grandes, ils ont besoin des mêmes besoins. Donc moi je jette pas la pierre à ces personnes-là qui ont quand même fait un effort de renseignement auprès de quelqu'un qui pensait être professionnel, qui en fait ne l'était pas franchement à ce point-là. Professionnel en vente, d'accord, mais professionnel en maintenance, à revoir. Donc là pour l'instant je vais les garder pour la quarantaine. On va voir comment ça évolue. Donc là elles mangent toutes les trois.
La plus critique mange d'elle-même, donc si elle, la plus critique, mange d'elle-même, c'est déjà rassurant. C'est déjà rassurant, elles vont dans l'eau, elles nagent bien, elles sont très vives, il n'y a pas y a pas de soucis, hein. J'ai vu la différence entre l'eau qu'elles avaient avant en température ambiante et l'eau chauffée, j'ai vu que ça les boostait quand même un petit peu, donc c'était aussi rassurant hier soir, parce qu'elles sont restées avec moi au travail toute la nuit, hein. Donc elles ont découvert le bassin que ce matin. Donc là, elles sont encore toutes vives. Le voyage en voiture les a pas trop stressés, j'ai l'impression. Bon, faut dire, quand je voyage, quand je fais transporter les tortues, je prends d'extrêmes précautions au niveau de, bah, des températures notamment. J'évite les courants d'air également, et puis je prévois vraiment un transport très sécurisé, et surtout où les tortues ne voient pas du tout ne voient pas du tout l'extérieur. Comme ça les stresse encore moins. Elles ont une vue sur un ensemble noir, sur un bac noir, donc il n'y a pas de problème. Donc là, c'est des tout petits bébés. Donc, alors après les avoir soignés, donc si tout va bien, elles seront mises à l'adoption. Alors pour le moment, c'est pas encore prévu. Je leur ferai pas faire de très gros déplacements non plus, je pense. Je verrai selon leur état. Déjà, je pense qu'il y en a une après la quarantaine, je pourrais la mettre en adoption. Donc ça, après, je verrai via internet, donc sur le groupe Facebook notamment. Pour voir si pour la mettre pour les mettre en adoption, ou voir aussi avec les expositions où je suis déjà engagé, voir s'il y a possibilité de rajouter ces espèces dans ma liste de demandes pour pouvoir les faire adopter. Bien sûr, je ne gagnerai pas d'argent dessus, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de leur trouver une famille qui leur donnera les installations plus que correctes, on va dire, parce qu'elles ont déjà quand même bien souffert. Donc je le répète quand même encore, c'est pas de la faute forcément de la personne qui a acheté. C'est un peu de la faute, surtout de la faute de la personne qui a vendu, qui a voulu vendre pour du chiffre et non vendre pour le bien de l'animal. Parce que c'est pas toujours agréable d'acheter des bébés tortues et de les voir mourir et de se dire mais on a fait ce qu'il fallait, on nous a fait ce que le vendeur nous a dit, mais on n'a pas réussi à les maintenir. C'est très dur quand même à vivre. Je le dis parce qu'à l'époque, je l'ai vécu. Je l'ai vécu bah, notamment avec Lilo. Donc je sais vraiment par quoi on passe. Donc je veux pas jeter la pierre forcément à ceux qui font ces achats, mais je jette quand même la pierre beaucoup aux vendeurs. Même si dans la terrariophilie, que ce soit les vendeurs, comme les éleveurs, comme les passionnés, c'est un monde qui vit tous ensemble, donc faut, enfin c'est. Je pense qu'à mon avis, certaines animaleries comme les chiennes devraient quand même penser à recruter du passionné plutôt que de recruter du vendeur. Donc voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Mais donc sinon pour le moment, bah, les tortues sont très vives. On en voit deux au fond là qui a l'air d'être très intéressés par les granulés. Hein. Donc c'est les petits granulés Zomed. Hein, oui c'est ça, Zomed. Donc ces petits granulés là, hein, donc rien de bien spécifique. On voit pas forcément terrible. Voilà, là on verra mieux. Donc aquatique turtle food, donc des versions bébés, des tout petits en fait, tout petits granulés marrons. Donc si elles peuvent les manger facilement, ça contient plein de bonnes choses pour elles. Donc bon, on va continuer avec ça pour le moment. Et elles vont se nourrir aussi au frais. Donc je vais essayer tout à l'heure voir de leur faire manger un petit peu de dinde que je viens de couper, que j'ai coupé pour les autres, pour les grosses que j'ai recoupé en même temps pour elles en beaucoup plus petit. Donc on va voir si elles ont faim aussi là. Donc ce sera à voir, mais normalement elles mangeront du frais, donc que ce soit de Joël, dinde, poulet, un petit peu de verdure si elles en acceptent aussi, parce que je sais que cette espèce en mange, mais pas forcément bébé, plus adulte. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut au niveau nourriture. Alors je donne principalement du frais parce que bah autant donner du frais, hein, c'est ce qu'on a de mieux déjà pour nous, donc ce sera mieux pour elles aussi. Donc voilà pour l'alimentation. Donc après bah, ces petits bébés donc bah, ils vont rester pendant la quarantaine dans ce bassin-là. Et puis on va voir leur évolution. Puis je tiendrai au courant un petit peu tout le monde bah, via le Instagram de l'île de Tortue afin que bah, vous puissiez suivre un petit peu leur guérison. Voilà, sur ce, bah, bonne fin de journée et puis bah, à une prochaine vidéo.